Nous souhaitons la bienvenue à tous nos étudiants de Éclore School of Management pour cette rentrée 2023-2024. Cette année, j'ai été entre autres en charge d'organiser la semaine d'intégration. On a voulu travailler sur différents temps forts, donc on a commencé à accueillir nos étudiants lundi avec vraiment une journée de bienvenue. Donc un petit déjeuner attendait nos 350 néo-arrivants. Le BDE nous a vraiment accompagnés dans cet accueil. Suite à un message de bienvenue de Loïc Carrier, le directeur général de l'école, qui en a également profité pour leur annoncer officiellement la naissance du groupe Éclore, qui est d'une fusion entre l'ESCPO Business School et le CNPC. L'après-midi, une présentation des services a été faite. L'idée était vraiment de faire découvrir toutes les facettes de l'école aux étudiants et puis qu'ils se rendent compte de la diversité des services que l'on propose. Mardi, on a souhaité axer cette journée autour des diplômés parce qu'il nous a semblé vraiment très important de mettre en avant les diplômés et que les étudiants actuels puissent se rendre compte de la réussite de grand nombre de diplômés, dont Serge Mathurin, qui est devenu humoriste et producteur de spectacles, qui a été en charge d'animer une plénière, accompagnée de 6 diplômés avec des parcours tous très différents, mais tous très inspirants. L'après-midi, chaque diplômé avait préparé un atelier et les étudiants ont tourné entre 14h et 17h sur l'ensemble de ces ateliers. On a même eu des étudiants pas inclus dans le cadre de notre semaine d'intégration qui ont souhaité participer à ces ateliers, tellement les profils proposés étaient intéressants. Mercredi, nous avons souhaité faire une journée vraiment cohésion. Pour cela, on a fait appel à Gaïa, force basque d'Anglette. L'idée de cette journée, c'était vraiment de fédérer tous nos nouveaux étudiants avec les anciens. On a eu près de 350 étudiants qui se sont affrontés par équipe de 10, et ce pour toute la journée. Toujours dans une dynamique de cohésion, nous avons fait venir chaque jour plusieurs food trucks sur le parvis de notre école. Tout ce qu'il faut pour passer un moment sympa, de la musique, des tables, du monde, le BDE présent, diverses animations. Pour clôturer cette belle semaine, nous avons mis en place la journée des associations où toutes les associations de l'école ont mis en place un stand afin de promouvoir leurs activités et d'inciter les néo-arrivants à eux-mêmes adhérer à la vie associative de l'école. J'insiste sur le fait de l'importance de la vie associative lorsqu'on fait un parcours grande école de commerce, c'est une plus-value. Nos étudiants apprennent beaucoup. Ils peuvent mettre à profit leur gestion de projet, la communication, le management, la gestion d'équipe. Je suis très satisfaite de cette semaine d'intégration. Elle s'est vraiment très bien déroulée. Nous avons eu du soleil quasiment toute la semaine. Nos étudiants étaient ravis, les intervenants aussi. Maintenant, après cette semaine d'intégration, il est l'heure pour nos étudiants de regagner les salles de classe. Et puis, je suis persuadée qu'on va passer une superbe année tous ensemble. Merci à tous.